demander de voir quelqu'un d'autre qui va essayer de nous faire rencontrer de l'intelligence. Par la suite, nous entendons les paroles de l'anti-régime. Et en gros, c'est l'exemple de trouver la lumière. C'est votre recette de base. Et par suite, vous êtes de tous les ans. Par exemple, vous obligez de faire un peu comme à la tête de qui. Considéré à l'emploi de la technologie à cette époque. C'est pour les hommes en service.
collés au tableau. D'abord, concernant le premier point qui est très important, la respiration solaire. La cordée, vous voyez, tout ce qui est respiré, elle consomme de l'oxygène à raison de 5 à 1 litre par centimètre carré de vapeur. Vous pouvez faire du dioxyde de carbone, même qu'il y a un litre par centimètre carré de vapeur. L'apport en oxygène se fait essentiellement par l'air, à travers les larmes, à hauteur de 90%, et enfin par le lymphe, à travers la vascularisation aérienne, à hauteur de 10%. L'anticontact, en général, interagit étroitement avec la surface oculaire et la cornée en particulier. Elle doit permettre une oxygénation optimale de la cornée afin de respecter la physiologie de celle-ci. L'antiperméable à l'oxygène, l'antirigide, épouse parfaitement la cornée, à l'inverse des lentilles souples. Il se forme entre l'œil et la lentille, un ménisque de l'âme. Ce ménisque de l'âme est très important, nous allons le voir. Il se forme entre la face postérieure de la lentille rigide et la face antérieure de la cornée. Quelques notions de physique liées à la lentille sont très très importantes. La perméabilité et la transmissibilité à l'oxygène. La perméabilité à l'oxygène, ou DK, est une propriété qui est intrinsèque au matériau, qui a laissé passer les molécules d'oxygène, et ceci indépendamment de la forme, de la surface, des dimensions et de l'épaisseur de la lentille rigide. La transmissibilité à l'oxygène est une notion qui découle de la perméabilité et qui est néanmoins, cette fois-ci, en fonction de son épaisseur de la lentille au centre, qui est elle-même dépendante de la puissance de la lentille, de sa géométrie. La notion principale ici qu'il faut connaître, c'est que plus l'épaisseur est importante et plus le dégât diminue proportionnellement. Ce qui est fondamental pour différencier une lentille souple d'une lentille rigide qui donne tout son avantage est que pour une même épaisseur, le dégât surplus, c'est-à-dire la transmissibilité à l'oxygène, d'une lentille rigide est 2 à 3 fois supérieure à celle d'une lentille souple. En silicone hydrogène, bien sûr, assurant ainsi une meilleure oxygénation de la cornée, ce qui est un paramètre fondamental. Si l'on devait faire un petit résumé, les lentilles de contact rigide assurent une meilleure oxygénation de la cornée grâce à ces deux paramètres. Tout d'abord, le ménisque de l'arbre. Les larmes peuvent circuler et apporter l'oxygène entre l'œil et la lentille, et un dégât surplus qui est bien plus important. Bien sûr, dans l'ancienne rigide, il y a une grosse diminution du risque d'infection. Il existe tout de même un risque minime, mais bien moins qu'avec une lentille souple. Pourquoi? Parce que le ménisque de l'âme, encore lui, permet un nettoyage des micro-organismes et présent à la surface de la cornée. Enfin, en même temps, il permet qu'il n'y ait pas de formation de biofilm et pas d'adhérence de bactéries. Dans un second temps, quand on a une porte d'entrée au niveau de la cornée, c'est dès qu'on porte une lentille rigide, la douleur est très très importante, ce qui amène le patient à consulter. Contrairement avec une lentille souple qui a un effet plus ou moins anesthésiant. Quelques exemples qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui dans notre pratique quotidienne. Tout d'abord, les hypoxies aiguës secondaires au port d'une lentille esthétique à faible dégât surplus, qui a laissé une importante ulcération cornéenne, comme vous le voyez ici. L'hypoxie chronique liée à un port de lentille souple depuis plus d'une dizaine d'années, qui a entraîné une néovascularisation périphérique au niveau intérieur, comme vous le voyez ici. Et bien sûr, la complication en phare, qui est l'abcès de cornée, ici un abcès de cornée hypocrite. Maintenant, nous allons parler de la surface oculaire, ce qui est le paramètre qui intéresse le plus souvent l'adaptateur. Maintenant, nous allons parler de la qualité de la vision qui intéresse essentiellement le patient. Tout d'abord, il faut le dire, la lentille est une excellente performance en optique. Pourquoi? Grâce toujours au ménisque de l'âme. Vous vous embêtez avec celui-là, je pense, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il va venir homogénéiser la surface antérieure de la cornée. Surtout dans les astigmatismes irréguliers, notamment dans les cornées pathologiques, par exemple avec un keratocone post-traumatique. Nous voyons bien que le ménisque de l'arbre ici en vert va venir homogénéiser la face antérieure de la cornée. Bien sûr, la propriété liée à la géométrie de la lentille, avec une zone antérieure, optique antérieure qui est asphérique et qui va minimiser l'épaisseur centrale de la lentille, ce qui est très utile pour les forces amyotrophiques ou alors en cas d'aphakie. Elle permet la réalisation de profils multifocaux pour la correction de la prise, si nous allons le voir. Et elle réduit surtout le taux d'aberration sphérique par rapport à une géométrie antérieure qui se fait uniquement.
Alors maintenant, nous allons parler de ce qui intéresse tant l'adaptateur que celui qui fabrique une lentille, c'est-à-dire la géométrie, qui est un paramètre important. Tout est possible avec une lentille guide, que ce soit en face antérieure et en face postérieure, et en combinaison des deux. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des faces postérieures sur un sol torique ou multicôte, c'est-à-dire prolate ou oblate. Et au niveau de la face antérieure, nous pouvons avoir aussi sur un sol ou torique et multifocale ou multifocale. Et toutes les combinaisons, bien sûr, sont possibles. Alors, quelques exemples, quelques indications. Au niveau de la face postérieure, on pourra avoir une géométrie sur un sol pour les amétropies sphériques ou les astigmatismes cornéens de moins de 2 dioptries. Une courbe torique pour les astigmatismes cornéens réguliers supérieurs à 2 dioptries. Et pour les multicourbes, que ce soit pour les cornéens réguliers, prolates ou oblates, vu à travers une topographie cornéenne ou orthokératologie. En ce qui concerne la face antérieure, on pourra avoir une face antérieure qui est torique, avec pour l'astigmatisme résiduel interne, et encore une multifocale pour la presbytie. Alors maintenant, qu'est-ce qui intéresse les adaptateurs, que ce soit ophtalmologie ou optométrie, c'est l'indication, c'est-à-dire quand prescrire sur nos ordonnances une lentille rigide. Ben, on peut prescrire une lentille rigide à peu près pour toutes les vis de réfraction et encore bien plus. Alors, un résumé un peu, toutes les amyotrophies sphériques déjà, les myopies, les hypermétropies, les astigmatismes, que ce soit réguliers ou irréguliers, les remises en position orthophorique d'estrabisme accommodatif chez l'enfant, c'est la PAC. La correction et l'évolution de certains distalbus, elle constitue le gold standard pour les lentilles chez les enfants. En cas de néovascularisation cornéenne, en cas de sécheresse oculaire, en cas de cas esthétique, comme nous allons montrer, bien sûr, rien de mieux que certains exemples. Alors, ici, c'est un patient qui présente un kératocone et qui a bénéficié d'un lent intracornéen, malgré les indocs, il présente un astigmatisme résiduel qui a pu être effacé grâce à une lentille rigide. Par exemple, ici, c'est un patient qui a une aphakie post-traumatique avec une importante semi-dialyse. Une lentille rigide permet tout d'abord de corriger son aphakie et aussi elle est teintée par rapport à sa photophobie. Ici, c'est un patient qui a bénéficié d'une keratoplastie transfixion avec une qui a entraîné une importante toricité cornéenne. Une lentille rigide est venue corriger ce vice. Et bien sûr, chez l'enfant, après la chirurgie de cataracte congénitale, qui n'a eu pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu être implantée. La lentille rigide ici est très très bien supportée et rentre dans le cadre de la correction de son amblyopie. Bien sûr, rien n'est parfait. Il existe des contre-indications des lentilles rigides. Elles sont peu nombreuses, mais il faut les connaître. Tout d'abord, quand on a une pathologie conjonctivale cornéenne qui est évolutive, par exemple une kératite filamenteuse, certaines pathologies palpébrales qui vont entraîner une incarcération de la lentille ou encore une trop grande mobilité, par exemple un étropion, un entropion, un étropion, certaines cicatrices disgracieuses, et enfin des affections altérant la qualité du clignement, ils ont la myoptosis. Alors il existe des complications particulières des lentilles rigides. Alors le syndrome voit 3h-9h, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'en changeant la géométrie de la lentille, on peut dépasser ce syndrome. Il correspond à un moindre renouvellement des larmes sur la lentille rigide dans l'air de la fente palpébrale. La complication la plus importante qu'il faut connaître est le port de l'optosis. La traction répétée du releveur de la paupière supérieure au retrait de lentille serait en lien avec une désinsertion précoce de la première brosse de celle-ci. Alors, j'utiliserai une métaphore que j'utilise généralement avec mes patients, qui peut paraître un peu tirée par les cheveux, mais que je trouve pertinente. Une lentille souple, c'est comme une voiture de concessionnaire. Vous l'achetez en une seule fois. Elle est d'un bon confort, une bonne sécurité, vous la changez régulièrement. Une lentille vide, c'est comme une voiture de course. C'est-à-dire qu'il faut la changer pour l'obtenir, il faut aller plusieurs fois chez le concessionnaire, ça demande des efforts. Vous choisissez plusieurs options. Mais à la fin, avec une voiture de concessionnaire, vous conduisez bien, avec une lentille, vous voyez. Avec une lentille rigide, vous voyez mieux. Et tout le monde veut voir le mieux possible. Et je vous remercie, je laisse la parole maintenant à mes collègues. Merci beaucoup. Comment on va choisir Ferrari pour conduire avec un plaisir extraordinaire. Donc, on va changer les paramètres, on doit d'abord les connaître. Donc, pour l'ophtalmologiste, on va se contenter à des paramètres simplifiés. C'est vrai qu'une lentille rigide se définit, sa géométrie se définit par plusieurs paramètres, l'horaire de courbure, le diamètre, la puissance, le diamètre de la zone optique, son épaisseur, la morphologie de la périphérie et les différentes courbes, parce qu'elle n'a pas uniquement une courbure centrale, la majorité des lentilles rigides qu'on utilise actuellement sont des lentilles multicôtes, qui épousent
la fente du cornet physiologique volaire ou une contrainte pathologique extraordinaire ou préparable. On va simplifier cette présentation en insistant sur trois paramètres principalement, les deux standards qui sont l'inventorio, le diamètre et la conscience. Rien qu'une banane qui va nous faire rappeler la courbure d'une lente. Okay. Si on est en face d'une cornée dont la face antérieure n'est pas très astigmate, c'est-à-dire deux rayons de courbure avec une différence de moins de 0,4 mm, donc l'équivalent de 2 dioptres. Une lente ici. Deux dioptries, équivalent de 0,4 mm. En réalité, pour que cette lentille puisse tenir sur une cornée très torique, on est obligé que sa face postérieure épouse aussi la toricité cornéenne. Et donc, en bas, on aura deux rayons de courbure orthogonaux, l'un qui est égal au rayon le plus plat, et l'autre, c'est vrai qu'il peut être égal au rayon le plus complet. Si on prescrit une lentille carrée, elle sera vraiment moulée et ne bougera pas. Et pour laisser passer les larmes, donc pour le rayon le plus complet, on va rajouter entre 0,10 à 0,15 mm. Donc c'est la règle d'adaptation. Et donc on met dans notre blender quelques bananes. Une lentille rigide, c'est bien la réfraction.
Donc si on sait d'une voix baissée, on ajoutera la réfraction subjective rapportée à l'apex, à la 7, la puissance ralentie baissée. Si on décide de prescrire directement, cette pratique, c'est directement la pratique de la réfraction en lunettes qu'on offre à l'apex, bien sûr. On va illustrer ça avec un cas pratique. Ce patient a une dioptrie de myopie au niveau des deux yeux avec un astigmatisme total de 2 dioptries à droite et de 3,5 à gauche. Si on regarde la scleroptométrie, on s'aperçoit qu'au niveau de l'œil droit, la différence. On s'aperçoit que la différence entre K1 et K2 est inférieure à 0,2. Voilà. Donc la différence entre K1 et K2 est inférieure à 0,4 mm. Le dioptrie, elle est ici à 1,5 dioptrie, ce qui représente l'astigmatisme cornéen. Ici, on a l'astigmatisme total et là, l'astigmatisme normal. Au niveau de l'œil gauche, cette différence entre K1 et K2, elle est supérieure à 0,4 mm, supérieure à 2 dioptries. Elle est égale à 3 dioptries, ce qui représente ici l'astigmatisme cornéen de ce patient. Donc, notre choix, si on suit les règles de notre patient, ça va être un rayon courbure de 7,8 qui correspond à K de l'œil droit et 8 pour l'œil gauche, on va choisir une lentille bactorique, torique interne. Donc la surface postérieure de la cornée et de la lentille aura deux rayons courbure. Le premier rayon courbure sera directement de K, ici 8 mm. Le deuxième rayon courbure sera K serré, au millimètre le plus petit, on veut qu'il vienne sur le mouvement, plus 0,15. Donc, ce qui donne 7,75. Le premier paramètre, c'est le rayon courbure. Nous avons prescrit le rayon courbure. On passe au diamètre. Le diamètre dépendra de celui du diamètre cornéen. Mais classiquement, on utilise des diamètres standards et plus la lentille est grande, meilleur est le confort. Donc on ira sur des lentilles de 10,20 à 10,60 de diamètre. Et enfin, on a vu la puissance de la lettre. Pour ceci, on va décomposer juste rapidement la réfraction, rapportée bien sûr à l'apex. Ici, 8 dioptries, cela fait 7,25, et là, 9, en fait, le deuxième axe, il est à 10 dioptries de myopie, ce qui fait 9 rapporté à l'apex. Au niveau de l'œil gauche, 7,25 et 10. Ce qui donne un astigmatisme cornéen, enfin plutôt un astigmatisme total de 1,75 à droite et 2,75 à gauche. Cet astigmatisme total est très proche de l'astigmatisme cornéen. Donc, je sais que ma lentille que je vais prescrire ici sphérique et ici torique interne suffira à corriger cet astigmatisme. Donc je vais me contenter juste de prescrire la sphère. Donc 7,25 pour les deux lentilles. Et le reste, l'astigmatisme va être corrigé par le ménisque de l'art établi par la lentille rigide. La prescription, notre prescription sur l'ordonnance, va être comme ceci. Et notre partenaire va comprendre que c'est
le rayon de courbure, le diamètre et bien sûr la puissance de la lentille. Donc on rajoute de la puissance à notre lentille qu'on demandera au fabricant de la faire. Un autre exemple, juste pour vous dire que c'est assez simple, c'est pas aussi compliqué que ça paraît, parce que tous ces paramètres, toutes ces données, on peut les tirer directement. Juste avant ça, je voulais juste vous faire une petite remarque. Ici, admettons que notre astigmatisme, il est de 2 dioptries. Astigmatisme total. Et le cornéen, il est de 3 dioptries. Donc, quelque part, cet astigmatisme cornéen, il est compensé par un astigmatisme interne. Face postérieure de la cornée, crise palmaire, face postérieure de la rétine, donc c'est un sphylum, donc quelque chose comme ça. Donc, si on décompose notre réfraction, on s'aperçoit qu'on a un moins 1,75 d'astigmatisme total, alors que on a 3 dioptries d'astigmatisme cornéen. La lentille, le choix des rayons de courbure est déjà imposé. Donc on va corriger ces 3 dioptries d'astigmatisme cornéen. Donc on va révéler cet astigmatisme interne. Et donc pour avoir une vision plus douce, d'accord, ici l'astigmatisme interne va se révéler, il est de 1,25. Non, la tique, pour avoir une vision plus douce, on ajoutera un tore antérieur, un tore externe, et il suffira de le prescrire comme pour des lunettes, moins 1,25 dioptrie à 1,80. Donc notre tore antérieur, d'accord, il va juste adoucir la vision. Oui. Merci, docteur Taibi. Alors, on a vu ensemble les paramètres, comment prescrire chaque paramètre. Mais en pratique courante, en pratique de tous les jours, on est face toujours à... Voilà. Je m'excuse. D'accord. Donc, on est toujours en face d'un ticket d'autoref et qu'on veut prescrire une lentille rigide. C'est une forte myopie, bien entendu. Donc, nous allons voir... nous avons la sphère, le cylindre, le rayon le plus plat, le plus cambré, les axes, bien sûr. Donc, comment nous allons procéder à la prescription? Tout d'abord, l'astigmatisme, le total ou le cornéen, il est inférieur à 1,50 dioptrie, donc ça va être une sphérique. Vous êtes tous d'accord. Donc, rayon de courbure, le cas le plus plat, 8,13, 8,10 ou 8,15, si vous voulez. Au niveau de l'œil gauche, 8,05, le rayon le plus plat. On est d'accord pour le rayon. Donc, pour le diamètre, on opte pour un 10-20. Bien sûr, on peut choisir le diamètre qui correspond à 85% du diamètre total cornéen. OK, pour le diamètre, bien sûr, la puissance, il faut ramener toujours la sphère à l'apex. Donc, on convertit selon la règle du distance vers œil. Il y a des tableaux qu'on peut convertir directement et on aura notre prescription finale comme ça. Pas plus facile que ça, c'est une lentille sphérique sur une forte myopie et vous avez la prescription. Un deuxième exemple, c'est un fort astigmatisme. Donc on voit ici l'astigmatisme total, il est de 5,25 dioptries au niveau de l'œil droit et 2,25 au niveau de l'œil gauche. Si on voit les rayons de courbure, donc nous avons 4,25 dioptries d'astigmatisme cornéen au niveau de l'œil droit et 2,25 dioptries au niveau de l'œil gauche.
Donc, si on compare avec l'astigmatisme total, nous avons. On commence d'abord par le rayon de courbure. Donc, dans le cas de l'œil droit, vous êtes d'accord qu'on va y aller avec une torique interne, car l'astigmatisme il est supérieur à 2,50. Vous êtes tous d'accord? Donc, le premier rayon, c'est le rayon le plus plat de la cornée, donc 8. Oh, pardon. Pardon. Juste diaporama. Diaporama. Voilà, merci. Donc, pour le rayon le plus plat, il faut le prendre de la kératométrie la plus plate. Le rayon le plus cambré, plus 0,15. Donc, la kératométrie la plus cambrée, plus 0,15. Et on obtient le rayon le plus cambré. Pour la puissance, comme on a corrigé l'astigmatisme avec le tore interne, et ici nous allons juste corriger la sphère. Donc nous aurons le plus 1 de sphère, bien sûr ramené à l'apex si la puissance est supérieure à 4 dioptries. Pour l'œil gauche, l'astigmatisme, il est de 2,25. Pardon. Donc, dans un seul méridien, nous avons plus 3,50 d'hypermétropie, dans l'autre plus 1,25. Donc, nous avons 2,25 dioptries d'astigmatisme. Et la puissance qui va être sphérique, nous prenons juste la sphère qui sera de plus 3,50. Voilà, donc c'était une lentille torique interne dans sur l'œil droit, sur l'astigmatisme qui est fort cornéen, et une sphérique sur l'œil gauche avec la kératométrie. Je laisse la parole à Dr. McKee pour vous parler des images plus. Merci aux amis. Juste une petite remarque, vous remarquez ici que le cylindre, on a mis de manière volontaire en valeur positive, et il faut toujours le convertir en valeur négative. Ok. Docteur Taibi vous a dit que la topographie n'est pas indispensable et que tout est dans la fluo. Effectivement, regardez cette comparaison entre l'image de droite, une topographie, et l'image de gauche, la fluo. On voit très bien l'axe le plus plat. Ça, c'est une lentille sphérique qu'on a mis sur une cornée très astigmate. On voit l'axe le plus plat. Ça se dessine en noir, il est sombre, et l'axe le plus cambré, là où passe la fluo. Donc, il y a une correspondance entre la topographie et la fluo. Si je vous pose une question, on a deux astigmatismes sur ces deux topographies. À droite, un astigmatisme direct ou inverse? À droite, l'astigmatisme est inverse, parfait, puisque le rayon en rouge, le plus cambré, est sur un méridien horizontal. Par contre, ici, on a un astigmatisme direct. L'image fluo supérieure, elle correspond à quel astigmatisme? Celui de droite, de l'inverse ou celui du direct, qui est le régulier? Direct. Ok. Il faut voir là où c'est sombre. Et ça correspond au rayon le plus plat. Donc cette cornée est plate en horizontale et elle est cambrée en verticale. Pardon, elle est plate en verticale, un peu oblique, et elle est cambrée en horizontale. Donc ça correspond plutôt à cet astigmatisme. Donc cette image fluo correspond à un astigmatisme inverse, une lentille sphérique placée sur un œil qui a un astigmatisme inverse. Ok, si on résume comment on corrige les astigmatismes réguliers en lentille rigide, donc on a quatre situations. Soit c'est une lentille qui dans la face antérieure, n'est pas très torique, avec un astigmatisme cornéen inférieur à 2 dioptries, et l'astigmatisme interne est aussi inférieur à 1 dioptrie. Une lentille sphérique seule suffit pour corriger cette amyotrophie. Dans le deuxième cas, si l'astigmatisme cornéen est petit, mais il y a un astigmatisme interne important, okay. Donc, il faut d'abord essayer une lentille rigide, sphérique, et faire une nouvelle réfraction. Si on trouve
Un astigmatisme résiduel dont la correction est significative, ça veut dire que ça fait remonter l'acuité bien visuelle. Donc on demande au fabricant d'ajouter ce tore interne, cette goutte de miel, sur la face antérieure de cette lentille. Dans le deuxième cas de figure, lorsqu'on est en face d'un astigmatisme cornéen important, une forte toricité cornéenne, ici, la lentille rigide sera fabriquée avec une face postérieure qui va épouser cette toricité cornéenne, une face postérieure torique. Donc la face postérieure est torique, c'est plus pour maintenir cette lentille pour qu'elle ne tombe pas et pour qu'il y ait un meilleur confort. Si en plus il y a un astigmatisme interne significatif, on prescrira une lentille dont les deux faces sont toriques. Oui, tout ça, on l'a bien expliqué, on peut le faire sur un ticket d'autoréfractomètre et de manière très, très rapide et de manière spontanée. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut déléguer à notre assistant ou à l'informatique. L'outil informatique nous va faire encore gagner du temps. Donc, juste remplir un logiciel, le Click and Fit ou le iAdapt. Le iAdapt qu'on peut télécharger sans être abonné sur son smartphone. Et donc, on pourra avoir nos prescriptions sans se casser la tête. Ou le EasyFit. Ok, je pense que on a mis les ingrédients de notre premier jus de fruits, rayon de courbure, diamètre et puissance. On va envoyer cette ordonnance, c'est-à-dire que sur une pratique avec notre atelier, on va enclencher notre blender et voir, on va recevoir la lentille, la placer. Donc, on a transmis les paramètres à notre fabricant qui va nous faire notre lentille. Cela ne marche pas. Il faut toujours ne pas oublier ça. Une dose de motivation. Le patient doit être motivé. Qu'est-ce que tu ajoutes, Amy ? Le nom. Du nom. La motivation, ce sera pour un solstice d'été. Un jus de melon. C'est bon. Ok, on a la lentille, on la place et on juge la lentille sur l'œil du patient en mettant une goutte de fluo. Ouais. Notre lentille est prête. On va la tester, on choisit un patient. Goûtez la lentille. C'est épais. Ok, regardez. Donc, c'est épais. Ok. Il faut faire une modification. Et c'est la partie la plus importante de cet atelier. Comment on va changer l'un de ces trois paramètres. Ajuster les paramètres. Il faut savoir que ce raisonnement est valable quelle que soit la lentille, même avec des souples. Si on arrive à fabriquer des lentilles souples personnalisées pour chaque individu, on n'a pas tous les mêmes rayons de courbure, on n'a pas tous les mêmes diamètres cornéens. Tout, dans un monde idéal, devrait être personnalisé. Ok. Eh bien, on va passer quatre flanches et on va prendre un peu de temps. Imaginons qu'on a une adaptation qu'on a jugée mauvaise, comme ce jus de fruits épais. Et on décide, pour ce patient particulier, de changer le rayon de courbure. Ok. On juge que dans ce cas particulier, quand on met de la fluor, on juge que l'adaptation est trop plate, que cette cornée appuie sur la lentille. Donc, on doit changer la courbure, on va devoir serrer l'adaptation, et donc on va diminuer ce rayon de courbure. Donc, regardez la lentille rouge, la lentille jaune est plus cambrée, elle est plus serrée. Quand on serre le rayon de courbure, il faut ne pas oublier quand on utilise des lentilles rigides, on provoque toujours une deuxième lentille, c'est les limbes qui existent entre la lentille et la cornée.
le fameux ménisque de Lyme dont a largement parlé Dr Haddam. Eh bien, ce ménisque de Lyme, dans ce cas particulier, vous voyez bien que c'est une lentille qui est convexe. C'est un ménisque convergent. Et donc, si cette adaptation, si le fabricant nous a donné une lentille avec une, le résultat final, on avait une hémétropie, l'overrefraction était nulle, mais on a jugé que le rayon de bleu n'était pas adéquat, il faut commander une nouvelle lentille avec un nouveau rayon de courbure, mais ne pas oublier la puissance, en sachant que chaque 0,05 mm de changement de rayon de courbure correspond à 0,25 dioptrie. Donc, ça, c'est la première règle. Donc, la lentille va être retournée au fabricant, à Ménilens, et Ménilens va commander une nouvelle lentille. Deuxième cas de figure, ok. Ici, par contre, on trouve que la lentille est trop serrée, on veut aplatir l'adaptation. Quand on aplatit l'adaptation, ici se crée un ménisque par rapport au premier cas, ici il est divergent, ça c'est un ménisque divergent, donc il va ajouter une puissance négative à notre réfraction. Il faut compenser ça avec une nouvelle lentille, ici verte, qui par rapport à la lentille initiale, on doit ajouter un plus. Il y a un terme, un moyen mnémotechnique, quand on aplatit avec P, quand on aplatit, donc on ajoute un plus. Quand on aplatit, on ajoute un plus P, P. Ok, ça c'est la relation entre rayon de courbure et puissance. Un peu plus compliqué, c'est la relation entre diamètre et rayon de courbure et puissance. Imaginons qu'on adapte une lentille et on n'a pas, cette lentille tombe. Cette lentille, on a mal mesuré le diamètre corné. Hein. La fente palpébrale est large et donc la paupière supérieure ne tient pas bien cette lentille. On a un syndrome 3h, 9h. C'est une lentille qui ne bouge pas. Dans tous ces cas, on aimerait augmenter le diamètre de cette lentille. Donc, on a les trois paramètres, puissance, rayon de courbure et diamètre, et on aimerait juste augmenter le diamètre. En réalité, en augmentant le diamètre sans changer le reste, on va passer à une... Regardez cette lentille rouge. Avec un diamètre plus grand, cette lentille orange, et bien, l'adaptation va devenir serrée. Il faut compenser cela en aplatissant le rayon de courbure. Et puisqu'on a aplati le rayon de courbure, il faut ajouter un plus. Ok, donc le changement de diamètre va affecter aussi bien le rayon de courbure que la puissance. Le dernier cas de figure, c'est le contraire. On a une adaptation, mais cette adaptation, par exemple, elle dépasse, elle chevauche le limbe. On veut serrer cette adaptation. On veut diminuer, pardon, pas serrer. On veut diminuer le rayon de courbure. En diminuant un rayon de courbure, regardez qu'est-ce qui se passe. La lentille va appuyer sur les cornées qui sont généralement prolates. Et bien, quand on diminue un rayon de courbure, on transforme une adaptation qui était bonne en une adaptation plate. Et donc, il faut changer le rayon de courbure, il faut serrer. Et quand on serre, on ajoute un moins. Donc le S, serré, on ajoute un moins. Donc, je pense que c'est le principal message de cet atelier, comment changer les rayons de courbure. Donc, on va transformer cette soupe épaisse. Cette soupe épaisse en un jus de fruits plus liquide en rajoutant de l'eau. Ok, je pense qu'on a parlé de tout ça. Et pour la puissance, c'est très simple. Il suffit juste de faire une over-réfraction pour retrouver ce qu'il faut ajouter. Et la puissance, il faut juste. Si on trouve. Tout est bon, le rayon de courbure est bon, le diamètre est bon, juste on a une puissance qui n'est pas bonne. Donc il faut ajouter algébriquement ce qu'on trouve par rapport à la lentille commandée.
Oui. C'est que tous ces changements peuvent se faire même, heureusement ou malheureusement, par intelligence artificielle, par les logiciels. Donc même les logiciels peuvent nous faire tout ça. On change un des paramètres et tous, la nouvelle lentille est mesurée automatiquement. Donc, ok, le jeu est prêt. On va demander à Docteur de goûter le jus de fruits, le nouveau jus. Et vous allez nous dire est-ce qu'il est épais ou pas. Il faut savoir que Méniles garantit les lentilles un nombre d'échanges indéfinis. Et c'est la raison pour laquelle on a créé... C'est vous-même. C'est pour la raison pour laquelle on a créé cette société en 2009. C'est pour apporter aux prescripteurs algériens la possibilité d'échanger un nombre indéfini de fois. C'est vrai que la lentille rigide, surtout dans les pathologies cornéennes, dans les cas réguliers, on est presque à 100% sûr de la première lentille, mais dans les cornées très irrégulières, on doit faire beaucoup d'aller-retour. Je vais être rapide. Pour la presbytie, donc on sait comment faire une lentille rigide. Pour la presbytie, c'est très simple. Donc il faut juste quasiment ajouter la puissance. Comment on peut ajouter la puissance de la correction de près? Donc il y a deux manières. Soit une monovision, et c'est efficace la monovision, surtout les anisométropes, surtout les anisomyopes. Donc l'œil le plus myope, on le laisse pour la vision de près, et l'autre le moins myope pour la vision de loin, comme en lunettes. L'autre possibilité, c'est la multifocale. Translation, c'est les lentilles avec deux réfractions, une supérieure et l'autre inférieure. Personnellement, je n'ai jamais fait de ces adaptations. Sinon, la vision simultanée avec des lentilles alternées, soit le centre pour la vision de loin, soit le centre pour la vision de près. Ok. Donc, on passe rapidement. Ok. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, on passe à la principale indication thérapeutique des lentilles rigides, qui est le kératocain. On va essayer de faire vite pour finir dans les temps. Merci.
Pardon. Merci. Donc, le edge lift, donc, quand on voit l'image à gauche, on voit un edge lift qui est correct. Donc, ce qu'on appelle un edge lift à 0,6 ou à 0,8 est très acceptable. Pour le edge lift qui est sur l'image de droite, c'est un edge lift qui n'est pas acceptable, donc qui peut créer un syndrome 3h, 9h et qui serait une source d'inconfort. Voilà. Donc, pour le positionnement, on voit que le edge lift est correct, mais on a des KPS quand même sur l'axe horizontal, 3h, 9h. Pourquoi ? Parce que tout simplement la lentille est trop petite. Donc le diamètre est très important. Donc même si le edge lift est bon, mais le diamètre doit être aussi bon aussi. Voilà. Dans ce cas-là, il faut augmenter le diamètre. Cliquez. Juste, je vous montre pour le mouvement. Le mouvement. Merci, monsieur Zani. Donc, le mouvement de la lentille doit être comme cela. Donc, une lentille bien adaptée doit bouger de cette manière quand on corrige un kératocone. Bon, pour la dernière partie de questions-réponses, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'image de gauche ? Est-ce qu'elle est bien corrigée ? Le patient est bien corrigé ou bien a-t-il. Pardon ? Le edge lift, bon, elle est un peu serrée quand même. Mais en périphérie, en mi-périphérie. Donc, il s'agit plutôt d'un nipple cone qui a été adapté par une lentille multicourbe standard. Pour l'image qui est à droite, vous pouvez me dire pour l'image ? Donc, il y a une ulcération sous lentille, donc c'est une lentille qui est trop plate. D'autres images pour la lentille qui est à gauche. Quelqu'un peut me dire. Donc il y a un edge lift qui est trop serré. Donc le centre est bon. Pour l'image qui est en bas à droite, on voit un edge lift généreux. Pour ce qui est de cette image, dernière image, donc on voit clairement que devant cet aspect topographique, c'est très difficile de corriger par une lentille multicourbe un kératocone de cet aspect. Donc peut-être il faudrait partir sur une lentille sclérale. Donc on a dit que on peut tout faire avec une lentille rigide. Ben, la lentille sclérale en est une. Merci. De rien. On passe rapidement à une autre utilisation de la lentille rigide. Dernièrement, on voit beaucoup d'ectasies post-lasiques, des ectasies cornéennes post-chirurgie réfractive en général, des greffes de cornée avec l'endémie du kératocone dans notre pays. Donc, comment prendre en charge ces ectasies? Comment les corriger avec des lentilles rigides? C'est pas des cornées régulières, bien entendu. C'est pas des kératocones. Donc, c'est une forme très irrégulière. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais être très bref. Quelques cas de kératotomie radiaire qui a fait ravage 30 ans en arrière et qu'on est face aux conséquences maintenant. La PKR, le LASIK, bien sûr, quelques exemples d'ectasie. La chirurgie de la kératoplastie transfixiante ou les anneaux intracornéens qui sont qu'on en voit presque tous les jours. Alors, comment corriger le rôle de la contactologie, bien sûr, dans ces cas-là, et de corriger la sous- ou surcorrection avec non-possibilité de retraitement chirurgical dans la chirurgie réfractive, les astigmatismes induits ou même les ectasies, et bien sûr les patients qui ont des symptômes de vision floue, des images doubles ou des halos. Je vais passer, bien sûr, ils ont des aberrations de l'ordre de haut degré. Les types de lentilles qu'on peut utiliser, on peut utiliser tout type de lentilles, mais on verra pourquoi la rigide, elle est
plus importante dans la prise en charge de ces cas. Pour la lentille souple, oui, c'est bon, ça marche, il y a quelques labos qui font, mais on risque une néovascularisation cornéenne sur lentille souple à faible dégât, surtout que les lentilles souples utilisées dans la correction des ectasies post-lasiques ou des post-chirurgies réfractives, c'est des lentilles épaisses à faible dégât. Donc on risque de faire des complications sur des cornées comme ça. Donc la lentille rigide standard, là, nous avons une image plus haute d'une lentille sphérique sur une post-chirurgie réfractive. Nous allons voir en détail cette image plus haut là. Je vais passer ça. Donc là, nous avons une lentille standard sur cornée avec kératotomie radiaire, post-kératotomie radiaire. Donc nous avons un touch paracentral important, un pooling au centre qui nous montre la combrure centrale, la périphérie qui est plate et bien sûr la lentille est décentrée. Si on passe à une géométrie plus particulière, qui est la géométrie inverse, qu'on utilise fréquemment dans les adaptations post-chirurgie réfractive, post-lasique et même post-anneau intracornéen, on aura une meilleure image plus haut, donc un diamètre plus large. La géométrie inverse, on l'utilise surtout avec un diamètre plus large. L'appui en mi-périphérie, il y a une seconde courbe, c'est pour ça qu'on l'appelle géométrie inverse. Donc nous avons 4-5 dioptries, jusqu'à 5 dioptries de plus cambrées que le rayon central. Au centre, nous avons un petit diamètre de zone optique postérieure pour minimiser le pooling central. Et bien sûr, la périphérie, elle reste plate parce qu'elle est souvent inchangée par le laser. Pour ce qui est des paramètres, c'est les mêmes paramètres des autres lentilles rigides. C'est juste la géométrie qui est particulière. Bien sûr, dans le cas des post-lasiques et post-PKR, la périphérie est inchangée. Donc, on peut utiliser la périphérie d'une lentille standard. On peut aussi utiliser de l'orthokératologie, donc on peut utiliser l'orthokératologie en posture réfractive pour reprendre la métropérésie duelle. On va voir c'est quoi l'orthokératologie et comment on peut faire. Donc c'est quoi les lentilles d'orthokératologie? C'est des lentilles rigides qu'on porte la nuit, qu'on dorme avec, le matin on les enlève et qu'on arrive à voir sans rien. Comment ça marche? C'est une géométrie inverse aussi. C'est un remodelage de l'épithélium cornéen par géométrie inverse. Les indications sont bien claires. La principale indication, c'est le contrôle de myopie. Donc, récemment, 90% de nos prescriptions en orthokératologie, c'est pour contrôler la myopie chez les enfants. Les indications optiques, on peut y aller jusqu'à 7 dioptries de myopie, 4 dioptries d'astigmatisme et il faut que cet astigmatisme soit principalement cornéen. Les critères physiologiques, bien sûr, pas de pathologie oculaire, pas de maladie systémique pouvant affecter l'œil. Il faut aussi des patients motivés et rigoureux. C'est des patients candidats à l'orthokératologie. Les limites, bien sûr, c'est les limites réfractives. Les halos, chez les enfants, on peut tolérer des halos car on est en train de contrôler leur myopie. Chez les adultes, ça ne marche pas, mais quand même, il y a d'autres limites. L'ortoca est une vision, donc l'ortoca permet la meilleure acuité visuelle corrigée comme les lunettes, voire mieux, avec un meilleur contrôle des aberrations. Comment adapter? Donc, il y a 10 ans de cela, on utilisait les boîtes d'essai, donc on mettait une lentille sur l'œil et on fait patienter le patient dans la salle d'attente pendant une heure, les yeux fermés, et on analyse l'image fluo juste après. Mais avec, comme Dr McKee l'a précisé, avec l'intelligence artificielle, nous avons maintenant des logiciels qui calculent notre première lentille d'essai et on ne perd pas de temps dans la première consultation. Donc,
La première étape, c'est le calcul de paramètres, la réfraction subjective précise bien sûr, la mesure du diamètre cornéen, la topographie elle est indispensable dans l'adaptation de l'orthokératologie. Pour ce qui est des paramètres, là je parle juste d'un seul design en orthokératologie. Il y a plusieurs designs qui existent selon les laboratoires et il y a même des designs personnalisés. Donc on peut designer des lentilles d'orthokératologie selon chaque cas, avec le même design ou avec d'autres designs. Les matériaux, c'est les mêmes matériaux de lentilles rigides. Les paramètres, c'est ils sont divisés en trois. Donc K, c'est le rayon central de la lentille. M, c'est la myopie à corriger, le degré de myopie ou la métropie à corriger. P, c'est la périphérie. Bien sûr, la lentille d'orthokératologie existe en torique, donc on peut avoir deux rayons périphériques aussi. Je vais passer à l'adaptation optimale. Donc la topographie, elle montre un traitement bien centré, une zone de traitement bleue régulière et un anneau quasi complet en mi-périphérie. Et c'est cet anneau-là qu'on va utiliser dans le contrôle de myopie, car il va générer un défocus myopique périphérique. Pour le protocole d'adaptation, je vais passer, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour la routine clinique, il faut voir le patient après une nuit, après 8 à 10 nuits et un mois pour valider l'adaptation. Après ça, il faut le revoir dans 3 et 6 mois. Et le renouvellement de la lentille, il est entre une année et 2 ans. À chaque contrôle, il faut faire une topographie de contrôle. Une topographie différentielle est meilleure car nous avons une meilleure compréhension de l'image topographique. Bien sûr, il y a des cas où l'adaptation est plate, serrée, c'est vraiment personnalisé. Donc, il faut analyser les images fluo et la topographie en même temps pour résoudre ces problèmes. Je vais passer ça. Encore la zone optique. Donc, en conclusion, l'adaptation en orthokératologie est une adaptation sûre, quand tous les protocoles sont respectés, bien sûr. Une adaptation sur mesure, donc la première paire est souvent la définitive. Elle présente une liberté pour les porteurs qui retrouvent une vision naturelle. Donc, la journée, ils n'ont aucune correction, ni lunettes, ni lentilles, et sans les contraintes d'inconfort liées au port diurne de lentilles souples. Elle présente un intérêt tout particulier pour les enfants. C'est d'ailleurs la première indication des lentilles d'orthokératologie. Pour contrôler la myopie, il y a encore la lentille rigide qui est utilisée, mais cette fois c'est une lentille diurne. Donc cette fois c'est une lentille qui est portée pendant la journée. Et sa géométrie, elle est un peu particulière car elle représente un gradient de puissance. Donc en allant du centre vers la périphérie, la puissance va augmenter. Et dans les bords pupillaires, nous avons une addition jusqu'à plus 3 dioptries qui va générer un défocus périphérique myopique au niveau de la rétine. Et c'est comme ça qu'on va contrôler la myopie de cet enfant. On utilise cette lentille principalement quand on est hors limite de lentille d'orthokératologie. Donc chez les patients où on ne peut pas adapter une lentille d'orthokératologie par souci de réfraction ou de motivation, donc on peut l'adapter avec cette lentille rigide à port diurne avec une géométrie particulière qui est le gradient de puissance. L'adaptation, elle est facile. Il faut juste prendre la réfraction, le rayon de courbure. Elle existe en torique interne et en sphérique, et bientôt en torique externe et bétorique. La règle d'adaptation, le diamètre, il est standard, il est de 10-20. Et le diamètre de la zone postérieure centrale, il varie selon les cas. La toricité, si on est inférieur à 40 centièmes, on utilise la sphérique. Si on est supérieur à 40 centièmes de toricité, il faut passer à une torique interne comme on a vu dans les autres paramètres, comme les autres lentilles rigides. Voilà, c'était ça. Merci pour votre attention et on vous invite le 5 juillet prochain dans notre prochain atelier. On va parler sur
sur le pentacam et comment adapter des lentilles sclérales avec le pentacam chez les cornées irrégulières. Et je vous remercie. Merci. En matière de recettes, de recettes personnalisées, on vous a présenté quelques recettes et essayé à vous de vous montrer et de vous éliminer ces impôts. Vous assistez et je répète, nos recettes sont garanties, un emprunt défini des champions et des échanges définis. Je remercie beaucoup les collaborateurs à Rouen et les Christophe Bassat et qui font un excellent travail pour les adaptations. Et il faut que plusieurs centres en Algérie s'intéresse à volonté. Merci. Merci beaucoup.